Je me présente au conseil municipal des enfants pour présenter mes idées envers la communauté, envers toutes les écoles et pour améliorer les villes, les communes, tout ça et tout ci. Donc je vais déjà vous féliciter pour votre élection. Vous avez donc eu la confiance des personnes qui ont voté pour vous, c'est-à-dire les enfants des classes de CM1, CM2. Donc c'est quelque chose qui est important parce que quand on est élu, c'est qu'on a remporté une élection, on a été choisi. Et ça veut dire que on a maintenant, vous avez une grande responsabilité, c'est celle de représenter les autres et c'est celle donc de faire en sorte que celles et ceux qui ont voté pour vous et celles et ceux qui n'ont pas voté pour vous, eh bien, soient contents et fiers du travail que vous allez effectuer. Mon programme, c'est de mettre des composts au pied des immeubles pour que tout le monde y ait accès et pas que les maisons, et aussi faire plus d'animation dans Saint-Gervais et dans le Fayet. J'avais comme idée de faire une sorte de grande inauguration comme à Megève, parce qu'ils font une sorte de grosse fête avec le gros sapin de Noël et je trouvais ça intéressant, c'était sympa. J'aurais bien aimé qu'on le fasse dans la commune. Mettre des dodanes pour ralentir les voitures et les motos et les camions après les écoles. Et puis après, je sais plus. Enfin, décorer les villes avec les décorations qu'on aurait fait à l'école. Mettre un skatepark pour les gens qui veulent aller faire du roller ou de la trottinette et du skate. Ensuite, mettre des toilettes publiques parce qu'il n'y en a que deux, mais il y en a qui sont fermées et d'autres qu'on ne sait pas où elles sont cachées. Et sinon, j'en ai encore plein d'autres, mais elles sont très longues, alors je ne vais pas toutes les dire. Mes idées, c'est de mettre des cages de foot dans toutes les écoles, de mettre des meilleurs plats à la cantine, vu que c'est pas très très bon. Et puis faire du sport dans toutes les classes et dans toutes les écoles. Et je voulais faire des composts dans les cantines. Voilà. De faire des sorties scolaires pour bien que ça dépollue la nature, la ville, et pour que ça soit mieux. Et les cages de foot pour que ça soit mieux, pour que les règles soient mieux réglées, et voilà. Faire des rencontres avec les CM1 et CM2 des autres écoles et de faire un terrain multisport à la plaine des Prats. Voilà. Aménager la plaine des Prats, mettre une structure de jeu en bois et mettre des bandes de recharge pour voitures électriques, mettre plus de jeux pour les grands au parc, faire une rencontre entre CM1 et CM2 des autres communes, faire un terrain multisport. Mon idée, c'est de faire des tournois de ping-pong, de foot ou de plein d'autres sports. Pour jouer, s'amuser avec les copains et voilà. Et une idée, c'est de mettre des plats sur les tables pour aller plus vite, les grands servent les plus petits. Voilà. Rendre visite aux personnes âgées pour les fêtes avec des gâteaux maison ou des dessins. Voilà. Donc en règle générale, les projets aboutissent, mais ils peuvent avoir des notions un peu différentes. Ça peut aller de choses très pratiques comme des règles de vie sur les temps de cantine, que sur des projets beaucoup plus humanitaires avec des journées au bénéfice d'associations, comme ça a déjà été fait pour l'association ELA, pour plusieurs associations. Des projets ont été menés aussi avec la maison de retraite,
avec les anciens. C'est quelque chose qui leur tient souvent à cœur. Donc il y a des toutes petites choses qui sont mises en place tout de suite, d'autres qui sont plus importantes. Les enfants reparlaient aujourd'hui de jeux, de nouveaux jeux dans le parc thermal, de skatepark. Ça, c'est des notions et des idées que d'autres enfants de précédents conseils nous ont déjà données et qui vont être votées au budget de cette année. On va refaire complètement les jeux du parc thermal. Et puis, une aire de bike park va sortir pas très loin de la plaine des Prats. Donc, c'est aussi en se penchant et en écoutant les enfants sur les différents conseils qu'on monte aussi nos projets et qu'on vote et qu'on leur fait plaisir et qu'on fait ce qu'ils demandent. Voilà. Faire des soirées mousse et disco à la patinoire. Faire pareil qu'à Megève et à Annecy.